Cameroonians today observe the most symbolic day in their history, the 48th edition of the National Day. Ladies and gentlemen, welcome to our latest bilingual edition. We apologize for the late start. Hello, Nicole. Bonjour, Emmanuela. And happy feast to you. Merci, Emmanuela. Vous avez les titres du journal. Bonjour à tous et bonne fête de l'unité. À la une de l'actualité, avènement de l'État unitaire au Cameroun, voici 48 bougies. C'est jour de fête de l'unité nationale, un 20 mai sans manifestation en public en raison de la pandémie du coronavirus. Le président de la République, Paul Biya, appelle l'union sacrée de toutes les forces vives pour combattre la pandémie du COVID-19. Le chef de l'État s'est adressé hier à la nation. Vous entendrez l'intégralité de son discours dans le 12 heures, de même que les réactions de quelques Camerounais. Et puis les éléments des forces de défense au service de la nation au péril de leur vie. Hommage mérité ce 20 mai, cérémonie spéciale de levée des couleurs à la gendarmerie nationale et autres casernes militaires. Nous irons aussi dans l'extrême nord saluer la bravoure du génie militaire sur le terrain pour déminer les routes sur lesquelles les terroristes Boko Haram enterrent des engins explosifs. La page magazine signée ce midi par Moussa Maranatha. Voilà pour les titres, madame, monsieur. Bienvenue à tous, Emmanuela. Vous ouvrez cette édition bilingue en langue anglaise. Exactly, Nicole. Cameroonians are today observing the 48th edition of the National Day, void of fanfare and huge celebrations that often characterize such a symbolic day due to the spread of COVID-19. They celebrate unity in diversity and despite the challenges so far, Cameroonians want to see a strong and indivisible country. And the central services of the National Gendarmerie, like you're seeing on the images there, like all other camps of the military across the country, have carried out a special hoisting of the flag in honor of the National Day observed today. This follows the instructions of the Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces, to give maximum honor to national unity around the national flag, presided at by the director of the National Gendarmerie, Brigadier General Daniel Eloko Binjok. The special hoisting of the flag was done in strict respect of government measures prescribed to stem the spread of COVID-19. There was equally no common meal, as is usually the case, to avoid crowding, and it started at 10 a.m., a symbolic time during which military parade often begins during festivities to mark 20th May celebrations in Cameroon. The firefighting brigade, one of the cores of the Cameroonian Defence Force in Mimboma neighbourhood here in Yaoundé, has observed the flag hoisting ritual to honour the symbol of national unity. The exercise is part of activities to celebrate the 48th edition of the National Day, and it saw the affixing of a medal on an outstanding element of that brigade. Ewane Epole is just back. The flag hoisting ceremony, organized by the 10th Fire and Rescue Battalion of the Military Fire Brigade of Mimboman in Yaoundé, is part of activities marking the Armed Forces Day. So as a result of this COVID-19 pandemic, the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, decided to cancel the celebration that we used to do with the march past at the 20th May Boulevard. So he instituted that we go around about our various command posts to hoist the flag. It is a ceremony that is important to the Defense Forces because it marks the beginning of the day and the honors that we, Defense Forces, give to the emblems of the Republic, like the flag. The occasion also witnessed the award of a medal to one of the soldiers. We decided to officially hand over the decoration to one of our soldiers who proved himself brave by entering into a house on fire on the 25th of November last year and saved the life of a 2-year-old baby. The 10th Fire and Rescue Battalion covers the center, east, and south regions of the country.
Merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, cérémonie spéciale de levée des couleurs à la Gendarmerie nationale ce 20 mai 2020. Comme dans d'autres casernes militaires, le drapeau camerounais a été hissé au sommet du mât avec des honneurs rendus à ce symbole de l'État. C'est au cours d'une cérémonie sobre mais fidèle à la tradition militaire que le général de brigade Elok Obi Daniel Ndiok a présidé ce matin. Pierre Evembe pour les détails. Pas de cérémonie publique de célébration de la fête nationale du 20 mai, donc pas de défilé, pas de parade militaire. Comme instruit par le chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, à cause de la pandémie à coronavirus qui secoue le monde en général et le Cameroun en particulier. Mais ceux qui exercent sous les drapeaux doivent toujours le maintenir haut et à la cour d'honneur du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Les mesures barrières ont été strictement respectées par les bérets rouges. Nombre de soldats réduits avec distanciation para. Le site s'est transformé en un camp, le camp des services centraux de la gendarmerie, avec aux commandes le général de brigade Elok Obi Daniel Ndiok, officier le plus ancien au poste le plus élevé ici. Et à l'heure où la parade militaire prend généralement corps au boulevard du 20 mai et sur l'ensemble du territoire national, les honneurs au drapeau, ce symbole fort de l'État, ont été lancés pour cette prise d'armes. Le drapeau, sa garde et la musique pour faire flotter contre vents et marées les couleurs du Cameroun. Sous la supervision du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, les Pandors ont communié avec leurs frères d'armes regroupés dans les unités et postes de commandement du pays pour manifester ainsi leur fidélité, leur patriotisme et leur attachement indéfectible au chef de l'État, chef des forces armées, dans la grande marche vers l'émergence entamée par la nation camerounaise tout entière. Fait exceptionnel, Pierre Evembe, le 20 mai 2020 ne donnera pas lieu à des manifestations publiques, vous l'avez dit, en raison de la pandémie du coronavirus. Il y avait également cérémonie de levée des couleurs à l'esplanade des services du gouverneur à Yaoundé. Les détails avec Clovis Tchamabo de CRTV Centre. L'objectif principal était d'honorer et célébrer d'une manière particulière l'édition 2020 de la Fête nationale de l'unité dans la région du centre, autour du mât du drapeau. Le gouverneur Nassiri Paul Biya, entouré de tout son état-major, des jeunes appelés du Conseil national du service civique du Cameroun et plusieurs autres compatriotes nostalgiques. Ça représente beaucoup pour nous, dans le sens où nous avons été formés au patriotisme, à l'intégration nationale, au vivre ensemble et à tout ce qui va dans le sens de la nation. Donc, respecter la cérémonie de levée des couleurs, c'est en fait même l'essence même du travail des appelés du service civique du Cameroun. Et aujourd'hui, dans le Conseil national des appelés, nous exhortons véritablement tous les appelés à respecter cet emblème national qui est le drapeau et l'hymne national. Une cérémonie lourde de symboles au cours de laquelle le drapeau national a été magnifié. Quand on chante l'hymne national le 20 mai, ça nous rappelle même quand on était à l'école primaire. Ça nous rappelle le symbole de l'État. Ça nous rappelle le symbole d'unité de cet État. Quand on montre le drapeau, je pense que vous avez constaté que le 20 mai, nous avons pensé qu'on ne peut pas avoir un 20 mai sans festivité. Donc maintenant, il faut faire un symbole pour cette festivité. Une levée spéciale des couleurs nationales qui rappelle à tous l'importance et la portée du drapeau camerounais. Nous restons avec nos forces de défense. Le poste de commandement du 10e groupement des sapeurs-pompiers à Mimboma na Yaoundé honore un de ses éléments. Le caporal Bruno Horton Yingigé a reçu la médaille de la vaillance décernée par le président de la République le 5 mai dernier. C'était en marge de la cérémonie de levée des couleurs ce matin. Étienne Pascal Azegue pour les détails. Quatre temps forts ont marqué cette cérémonie à l'esplanade du poste de commandement du 10e groupement des sapeurs-pompiers de Mimboman. Tout d'abord, la présentation des troupes au commandant Léonard Ntundu. Ensuite, la levée des couleurs, suivie de l'exécution de l'hymne national. Le tout
en observant les règles strictes barrières, notamment le port de masques et le nombre réduit de soldats à l'esplanade du 10e groupement des sapeurs-pompiers. Enfin, la reconnaissance du chef de l'État, chef des forces armées, à ce soldat qui a fait preuve de bravoure le 25 novembre 2019 en extirpant des flammes un enfant de 2 ans. C'est la toute première fois que nous avons cette reconnaissance où un personnel sapeur-pompier est décoré de la médaille de la vaillance. Les autres ont souvent été décorés, mais à titre posthume. La médaille de la vaillance rallume la flamme de l'ardeur de ce soldat du feu. L'acte que je fais, je sais que c'est notre devise, c'est mon travail. Si je ne faisais pas cet acte, ma conscience professionnelle devait me juger. Comme prescrit par le haut commandement, la cérémonie de levée des couleurs a bel et bien meublé la parade du personnel militaire qui marque souvent la fête de l'unité au Cameroun. A special flag hoisting ceremony to uphold the values of national unity and the respect of symbols of a unitary state has just ended at the governor's office here in the Central Region. Naseri Pobia, during the symbolic event, reminded Cameroonians of the need to respect symbols of the Republic of Cameroon. Ebude Kane has more. The usual pomp and fanfare, the 48th edition of the National Day was observed at the Central Regional Governor's Office by the hoisting of the national flag. It is very symbolic and heart-touching, and for us to know that there will be a 20th May where we will not celebrate. And so we thought it wise that we have to raise the symbol of the state, of the unity state, which is a flag. And so we had to come and give it the deserved position that it has in the image of this country. And that is why we made everything to be very symbolic and very solemn. You know, the state remains the state, and the state is still powerful. The ceremony also witnessed the participation of members of the National Council of Conscripts of the Cameroon Civic Service. This day of the 20th May, it's a day that is memorable for Cameroon in general and for the conscript in particular, in the sense that we are here to celebrate our nation through the hoisting of the national flag and the singing of the national anthem. That's why we responded to the call of the governor of the Central Region, which emphasized on the fact that we ought to celebrate and we have to manifest an attitude on this day, even though we are not celebrating the national day by march past, but we are celebrating in our hearts because we are Cameroon. The brave and solemn ceremony was closely followed by the singing of the national anthem to demonstrate love for fatherland. After President Paul Biya addressed the nation last evening, the population of the Adamawa region have applauded the address of the head of state, saying he came on time and that it was full of symbolism. They have promised to fully implement the anti-COVID measures laid down by the head of state and members of government to stem the spread of the disease in our country. Details with Amos Enonyaket Agbo. Unusual address of the President of the Republic provoking unusual measures to fully receive and retain the head of state's address to the nation. The ceremonial hall at the residence of the Adamawa governor was the venue with all barrier measures against the COVID-19 pandemic fully respected as the governor of the region, Kyudadi Tagieke Buka, and his guests carefully listened to the President of the Republic, Paul Biya, in a televised address explain why he cancelled National Day festivities as well as measures taken to eradicate the propagation of the coronavirus in the country, just to name but these. The staff of the University on ground, they are involved in many of such projects. You know, so production of the gel is what we are doing. We've already, I mean, very advanced in the licensing to be able to produce and the certification from ANO. So we are very ready to give that contribution to the nation, based on what the head of state has just mentioned.
On his part, the governor of the Adamawa region, Kiudadita Giekebuka, calls on the population of the region to carefully respect all the measures put in place by the government to ensure an eradication of the pandemic. The address of the head of state is an appeal to the population to be on alert, to respect all the measures prescribed by the government. It's time for us to be very conscious that the danger is there, and everything should be done for us to combat and to curb down the propagation of this deadly disease. In all, the population of the Adamawa region say the address of the head of state is timely. In the South region, the population have been galvanized by the head of state speech, and they say they are more than ever ready now to contribute their quota in checking the spread of COVID-19, while many say they are now reassured that the condition or the situation of the disease in the country is under control. Others have, however, saluted the fact that critics have been silenced. Details with Pontianus Lau. I'm highly satisfied. And I thank the head of state, according to this address they make to the whole nation, I have confidence that our work will be very easy in the future, in the ground. Our population are highly conscious with the gravity of this pandemic. They are highly satisfied by the presidential gift, and they promise us to do the best use we need to all those material which have been given. And we are going to follow. We are going to make sure that this material is only used according to the objective for which it has been given. Vous suivez le 12h sur la ACR TV. Dans l'Adamawa, l'adresse du chef de l'État a galvanisé le comité régional de lutte contre la pandémie actuelle, réuni autour du gouverneur Kildadi Tagiekebukar. Ses acteurs clés dans la sensibilisation et la prise en charge des patients du COVID-19 ont suivi avec grand intérêt le discours du père de la nation. Ils ont été marqués par l'appel du chef de l'État à ne pas céder à la peur face au coronavirus. D'autres détails dans ce reportage de Salomon Kankili. Babalé. Un outillage au grand format et le décor qui sied au contexte actuel, toutes les conditions d'une bonne écoute étaient réunies en la résidence du gouverneur de la région de l'Adamawa. Très attendu, le discours présidentiel est venu raviver l'union sacrée dans la riposte contre le Covid-19. Le chef de l'État vient de faire un appel historique pour mobiliser, galvaniser et créer de l'espoir auprès des Camerounais. Le contexte est difficile, l'a-t-il dit, mais on peut le relever. Aux côtés de l'autorité administrative, ses plus proches collaborateurs, le recteur de l'université d'Ngaoundéré, mais également la crème politique locale. À l'appel du chef de l'État, l'Adamawa entend jouer sa partition en montrant le bon exemple. Il faut bien relever l'insistance du chef de l'État quant à l'application stricte des mesures qui sont connues. C'est la seule voie, la voie royale. Nous en appelons donc aux populations de la région de l'Adamawa de se soumettre à l'exigence, à l'obligation d'appliquer strictement ces différentes mesures. Avec 6 cas de COVID-19 à date, dont 4 guérisons, la région de l'Adamawa s'illustre déjà dans la fabrication des gels hydroalcooliques, une contribution citoyenne de l'Université de Ngaoundéré et qui vise l'éradication complète du COVID-19. Après l'Adamawa, nous voici dans la région de l'Ouest où les autorités administratives et traditionnelles, de même que les populations, sont satisfaites de la sortie du président de la République hier pour l'adresse à la nation. Tous saluent, appellent l'union sacrée pour combattre le COVID-19. Christelle Kemounier. Bafoussam, ce 19 mai 2020,
les rues clairsemées, les populations regardent avec attention le discours du chef de l'État. Cette allocution du président de la République qui intervient au moment où le Cameroun fait face à la pandémie du coronavirus a un écho favorable chez les autorités administratives et traditionnelles. Nous avons suivi comment il a fait le tour d'horizon. Il a remercié le personnel médical et ils nous ont rappelé que nous tous, nous devrons être tous mobilisés par rapport à cette COVID. Et la sortie de ce jour de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, est un signe qui encourage, qui rassure le peuple camerounais. Les populations de Bafoussam disent leur satisfaction et leur joie de constater que le président de la République se soucie sans cesse pour son peuple. Et j'espère que cette fois-ci aussi, les autres Camerounais qui se perdaient dans des conjectures au sujet du président de la République vont s'associer à nous maintenant pour que nous puissions continuer le combat. Nous attendions que notre père, le président de la République du Cameroun, puisse échanger avec sa population sur cette question de la pandémie du COVID-19. Il nous a permis de comprendre que les mesures barrières sont essentielles. L'assurance et les encouragements étant donnés par le chef de l'État, les populations sont désormais déterminées à vaincre cette pandémie. You're watching the Midday Bilingual News on the CRTV. Some Cameroonians have described the head of state's speech to the nation last evening as one who spoke like a father to his children. They say not only did the head of state show his interest for the health of Cameroonians by calling on them to keep on respecting anti-COVID-19 measures, he equally saluted the efforts of the medical corps working at the fore to stem the spread of the disease. George Iwane has a reading. So today, President Paul Biya, as Commander-in-Chief, not only of the National Defense Forces, but also of the National COVID-19 Defense Forces, who are on the front. The President has come out, therefore, to assure Cameroonians and give them hope that with a united people who respect the measures taken by the John Gute government, under, in fact, the direct command of the head of state, the hydra-headed monster that we call COVID-19, is certainly going to be defeated. What we can pick from the President's address, one, that all decisions pronounced by the Prime Minister of Government have been done under the direct instruction of the President of the Republic, who is commander on the ground as far as COVID-19 is concerned. Second is that the Cameroon's health system is fully mobilized to combat what the President himself calls this terrible disease. Third, that Cameroonians should scrupulously follow instructions given by the government as a sine qua non to beat down the pandemic. Now, the national solidarity is required now more than ever before to defeat this common enemy. Political party and opinion leaders, religious and traditional authorities, civil society organizations, and the kinetic forces of our nation, the president calls them to join in the fight against this pandemic, but within the framework defined by the government, and of course, in compliance with laws and regulations of the Republic of Cameroon, that the government will go to great heights and lengths to combat any manipulation or exploitation of this tragedy for political, economic, social ends, because in times like this, we must be each other's keeper. And Georgia Wani was on the set of the special program yesterday. In bars, streets and other relaxation spots, Cameroonians of all walks of life listened keenly to the head of state's speech to the nation last evening. CRTV took cameras down the streets of Yaoundé to sample the opinions of the common man on what they grabbed from the head of state's address. This is what they had to say. The head of state has actually demonstrated love for Cameroonians. We can see his own personal sacrifices in terms of donations too. And then he also emphasized the cooperation of individuals. They should learn
to respect the laws and understand that the laws in the first place is to help them and their families. They don't need gendarmes or policemen to see that they put on their face mask or maintain the social distances. One thing that impressed me was that I was convinced that he was the one addressing us. And I'm very happy that our father who addressed us today. I know the president has the heart and concern for his people and also want us to be healthy. So I was not surprised at what he said today. He spoke as if really like somebody that he has Cameroonian at heart with the money he gave for the mask and the sanitizer to prevent a disaster on COVID-19. We saw him speak to us and we're happy in Cameroon here if we have anything to do with. Really need to wear those things and take protective measures, playing safe with our family. That's what we need. Nous sommes le 20 mai, c'est le jour de la fête nationale de l'unité du Cameroun. À Yaoundé, les Camerounais sont prêts à accompagner l'action du gouvernement dans la lutte contre le COVID-19. Réunis dans les lieux de détente pour suivre le message présidentiel hier, beaucoup saluent l'engagement et la détermination du chef de l'État, Paul Biya, à venir à bout du COVID-19 au Cameroun. Voici quelques réactions captées par notre reporter, Sidoine Moncam. Ils ont choisi un lieu de détente pour ne louper ce grand moment de la nation. L'adresse du chef de l'État, Paul Biya, a fortement conquis les cœurs de ses concitoyens. Ce que moi j'ai pu retenir, ce que le président a eu parlé, c'est par rapport au COVID-19. Et vraiment, et que nous les jeunes, nous devons prendre vraiment des dispositions pour ce Corona-19. Émus par la sensibilité du président de la République, les nombreux Camerounais ont conscience des défis qu'impose la crise sanitaire. Les impressions ne peuvent que être les impressions d'un homme qui doit amener sa génération à respecter tout ce qui s'est dit pour qu'on sorte de cette pandémie. Je crois que si on l'écoute, nous allons sortir de cette pandémie très tôt. Les hommages du président de la République au corps médical ne laissent personne indifférent. Nous sommes du même avis du président. Nous aussi, nous devons soutenir le corps médical qui court ce risque pour les êtres humains. Donc nous devons les soutenir et les encourager. L'union sacrée est presque autant indispensable que le respect des mesures barrières. L'union sacrée de tous pour venir à bout de l'ennemi invisible. Moi j'ai vu certains opposants, c'est là qui se contribuent à tenir des propos un peu plus durs auprès du président. Applaudir la teneur, ce n'est justement pas pour faire plaisir à je ne sais pas qui, mais c'est vraiment parce qu'ils approuvent la parole du président. Donc nous l'encourageons, tous les Camerounais, nous en sommes conscients et nous allons lutter contre cette pandémie. L'adresse du 19 mai a davantage ravivé la flamme de l'amour entre le chef de l'État et son peuple. Et pour marquer l'événement, la CRTV joue sa partition. Y avait veillé de l'unité nationale hier sur nos antennes. Un plateau spécial qui a accueilli de nombreux experts qui ont donné leur lecture de l'adresse du chef de l'État, Paul Biya. Sur le plateau des rédacteurs en chef, Aimé Robert Bihina et Ben Nono Poufon, le directeur central, Paul TV. Je vous propose de réécouter l'éditorial d'Ibrahim Chérif. Le président de la République dit extrême courage du corps médical camerounais qui n'a pas hésité à prendre le taureau par les cornes. Nous les voyons, les médecins, les infirmiers, les hygiénistes et autres se dévouer quotidiennement, de jour comme de nuit, pour sauver les personnes infectées par le coronavirus. En même temps qu'ils ne négligent pas les malades touchés par d'autres pathologies. Sous d'autres cieux, ils sont applaudis, Aimé Robert. Ici au Cameroun, à la suite du chef de l'État, nous, citoyens, malades d'aujourd'hui ou de demain, devrions au moins avoir de la considération pour ces hommes et femmes habillés en blouse blanche qui, avec l'aide du Très-Haut, sauvent des vies au quotidien. Bon point également pour le gouvernement qui est au front, malgré tout ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux, notamment. Comme le dit le président de la République,
le gouvernement fait le maximum possible pour nous sortir de cette grave crise sanitaire. Sous l'impulsion du chef de l'État, il ne faut pas l'oublier. Le Cameroun a un régime politique présidentiel et le chef de l'État est la clé de voûte des institutions de la République. Cela aussi, il ne faut pas le perdre de vue. L'union sacrée consiste par exemple à faire ses donations à travers le Fonds spécial de solidarité nationale lancé par le chef de l'État au nom de tous les Camerounais. L'union sacrée, c'est éviter d'exploiter le désarroi actuel des Camerounais pour quelque positionnement politique ou politicien que ce soit. L'union sacrée, enfin, c'est un engagement de tous les Camerounais dans le respect des mesures barrières. Je me protège, je protège mon prochain, c'est la voie à suivre. Et le chef de l'État, en bon père de famille, en père de la nation, nous invite à cela. Protégeons notre vie, protégeons la vie des autres. C'était l'éditorial du directeur central Pôle TV, Ibrahim Chérif. C'était hier, juste après le discours du chef de l'État à Paul Biya lors de la veillée sur l'unité nationale sur les antennes de la CRTV. Dans la suite du journal, hommage au génie militaire dans la page magazine du 12h ce 20 mai. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, Moussa Mbaranata a suivi de près l'exercice qui consiste à déminer les routes sur lesquelles les terroristes de Boko Haram enterrent les engins explosifs. Regardez, madame, monsieur. Il se déploie aussi sur le champ de l'élimination des mines qui jonchent les voies stratégiques. Nous avons appris à anticiper, donc à détecter ces engins avant qu'ils puissent être mis en œuvre de façon accidentelle. Opération nécessaire pour faciliter la circulation des militaires dans la lutte contre Boko Haram. Lorsque nous avons maîtrisé la chaîne logistique, la chaîne de fabrication de ces engins explosifs improvisés, les opérations ont été montées pour pouvoir neutraliser tout ce qui s'y a donné. Le génie militaire, dans toute sa splendeur, permet aussi aux populations de circuler en toute sécurité sur les routes et pistes de campagne. On essaie de limiter au strict minimum, je dis bien au strict minimum, l'impact de ces engins de la mort sur les forces et sur les populations civiles. Il faut déminer. Un travail qui requiert une bonne maîtrise des engins enterrés par l'ennemi. La détection et la destruction des explosifs est un exercice qui occupe une place prépondérante dans le quotidien des militaires. Nous arrivons régulièrement à pouvoir détecter et neutraliser ces engins explosifs. Les plus dangereux sont ceux qui sont faits à base d'obus récupérés, ce qu'on appelle les mortiers de 120 par exemple. Vous imaginez, appelez sa bombe si vous voulez. Une bombe qui peut faire de gros dégâts peut être utilisée, trafiquée pour être transformée en engin explosif improvisé. Les dégâts sont importants parce que là, c'est généralement des explosifs militaires qui ont fort pouvoir destructeur. Le génie militaire n'a pas fini de dévoiler tout son génie. Indeed, the prowess of the Cameroonian military. And like we were talking all along this newscast, President Paul Biya, for the second time in the history of Cameroon, addressed the nation on the 19th of May, Eve to National Day celebration. In his address, which centered around the fight against coronavirus, he saluted the effort of the personnel, health personnel working to stem the disease and so many other things. Let's now take a listen to the president's speech. Cameroonais, fellow Cameroonians, my dear compatriots, je ne m'adresse pas habituellement. I usually do not address you on the eve of our national day. Elle est traditionnellement. Traditionally, this is an occasion to celebrate with joy our national unity as well as our Republican and democratic values. Today, the context is different.
comme la plupart des pays du monde, Cameroun, like most countries in the world, has been affected by COVID-19. Notre système de santé, our health system is mobilized to combat this terrible disease. Various measures have been taken to stem the spread of the disease, as announced by the Prime Minister. It is necessary to scrupulously follow all the instructions that have been issued. Wearing of face masks, social distancing, frequent hand washing. This is crucial for the health of everyone. Under these circumstances, it was not possible to maintain the festivities marking the celebration of our national day due to the gatherings it entails. Of course, it was with some reluctance that I took this decision. However, since my main concern is to preserve the health of my fellow compatriots, there was no room for hesitation. Most of you have understood that it is necessary to put aside political squabbles and adopt a common front in the face of the insidious danger posed by COVID-19. Some political leaders who do not belong to the ruling majority shared this view. I thank them for that. We have also had the pleasure of receiving assistance and encouragement from friendly countries, international organizations, national and foreign business leaders, as well as various personalities such as Mr. Jack Ma of the Alibaba Foundation. I wish to thank them here and now on your behalf. My dear compatriots, the first thing I would like to tell you today is not to panic and not to believe in fake news conveyed especially by social media. Admittedly, this is a daunting challenge. However, we can meet it together as we did in many other circumstances. I also want you to know that the government, at my behest, is doing its utmost to bail us out of this serious health crisis. As I have said, protective measures have already been taken to counter the spread of COVID-19 in our territory. Despite these efforts, the number of infected persons keeps increasing daily, thus indicating that the fight against this pandemic is complex and difficult. I therefore call on each and every one of you to get involved. Each of us must comply with the measures that have been taken. This is one of the conditions for us to achieve the desired victory against the virus. I strongly urge all political, religious, and opinion leaders, all official associations, all traditional rulers, and all dignitaries to fully participate in the fight against COVID-19. Of course,
This should be done within the framework defined by the government and in compliance with the laws and regulations of the Republic. My dear compatriots, I would now avail myself of this opportunity to extend my sympathy to the families that have lost loved ones to this terrible disease. I extend my heartfelt encouragement to patients admitted to our hospitals and with them a speedy recovery. I also call on those who have tested positive to strictly adhere to the rules of confinement. I also wish to hail the courage of Cameroonian health professionals and those assisting them. With the resources available to us, they are doing the utmost to treat those infected with the disease. Indeed, they are not giving up in the face of the gravity of COVID-19 infection. The nation, through me, congratulates and urges them to keep it up. As you are aware, following the outbreak of the pandemic in our country, a special national solidarity fund to fight the coronavirus has been set up. In addition to the protective measures I have already mentioned, I have taken measures within the limits of existing resources to ensure its initial replenishment with a sum of 1 billion CFA francs. Additional resources could be provided depending on challenging needs on the ground. I take this opportunity to congratulate our fellow citizens who have already made contributions. I call on those who can to do the same. National solidarity so requires. In our current struggle, the government will go to great lengths to combat any manipulation or exploitation of this tragedy for political, economic, or social ends. My dear compatriots, I would now like to draw your attention to the economic consequences of this health crisis. Today, we are facing new challenges resulting from the collapse of stock markets, falling commodity prices, and an unexpected sharp decline in trade. The coronavirus pandemic will therefore have a negative impact on the global economy as well as our economy. Of course, we will have to return subsequently to the path of growth while ensuring that jobs are preserved as much as possible during this period of uncertainty and difficulty. I urge the government to continue to mobilize as it has been doing since the outbreak of this health crisis. In an unprecedented social context, it should in particular be resourceful and inventive to maintain our financial balances, contain the rate of inflation, ensure the continuity of public service, especially in the education sector, and regulate economic activity so as to safeguard social stability and peace. On the health front,
Despite the increase in the number of people tested positive for the coronavirus, the situation can be brought under control. We will therefore spare no effort to check the spread of the virus and reduce the mortality rate resulting from the pandemic. The global health crisis triggered by COVID-19 will undoubtedly mark a turning point in the functioning of our society. It requires that we continue to strengthen our health facilities, scale up our health care services, and above all, update some of our development projects and programs. On another note, in the face of this ordeal, our health system must be more efficient. The other diseases affecting Cameroonians just as much must not be neglected. The same should apply to the routine immunization program. That is why specialized COVID-19 treatment centers have been set up in Yaoundé and Douala. Others are being established in regional and divisional quarters. My dear compatriots, before concluding, I think it is necessary to briefly review the protective measures put in place to stem the spread of the coronavirus. Most have already been implemented and are certainly contributing to slowing down the spread of the pandemic. However, in view of developments in the health situation and the effects of COVID-19 on our economic and social life, it was necessary to make some readjustments. I therefore instructed the Prime Minister, who had already made two statements on the issue, to announce new measures and adapt others already being implemented. This was done on April the 30th with all the necessary clarity. I would like to specify the spirit of the 19 measures taken late last month without revising the details. The aim was basically to mitigate the impacts of the pandemic on the national economy and the life of the most fragile households. The encouraging lessons learned from our COVID-19 response strategy enabled us to take relief and support measures for the economic sectors and persons most affected by the pandemic. These measures seek, among other things, to ease social life and the movement of persons, suspend the payment of some taxes, dues, and contributions, support ailing businesses, and increase the amount of family allowances and some retirement benefits. It goes without saying that these relief measures do not exempt us from complying with barrier gestures, particularly the wearing of face masks in public places, as well as the ban on public gatherings, aimed at checking the spread of the pandemic. I therefore call on Cameroonians to have trust in public authorities. The government is fully aware of the gravity of the situation and is prepared to take all necessary measures. I can already state that as soon as a treatment is found,
steps will be taken to put it at the disposal of our fellow citizens. Before that, the wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. To that end, the local industry should continue to engage in the manufacture of face masks and alcohol-based solutions in strict compliance with government and WHO prescribed standards. I know I can once again count on your patriotic spirit, your sense of responsibility, and your courage to enable us to collectively overcome this scourge that is affecting the entire planet. In this connection, we should avoid stigmatizing those suffering from the disease. Everyone must feel concerned and contribute their quota to the fight against the spread of the virus. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. We should therefore not be complacent. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, you have certainly understood that we need to make a lot of effort to fight COVID-19. That may pose a threat to the stability of our states. During this period, we must remain a united, supportive, and disciplined people. I therefore appeal for a kind of united front of all the vital forces of the nation against the coronavirus pandemic. In that connection, I commend once again the attitude of virtually all political leaders and religious authorities who have accepted to join in this national struggle. I also encourage all efforts geared towards developing an indigenous cure for COVID-19. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy. Long live the Republic, long live Cameroon. Vive le Cameroun. Le chef de l'État, dans une sortie médiatique hier 19 mai, qui appelle l'union sacrée des forces vives pour combattre le coronavirus, le président de la République salue l'effort du corps médical dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Je vous propose de suivre l'intégralité de l'adresse du président de la République, Paul Biya. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je ne m'adresse pas habituellement à vous à la veille de notre fête nationale. Elle est traditionnellement l'occasion de célébrer dans la joie notre unité nationale ainsi que les valeurs de notre République et de notre démocratie. Aujourd'hui, le contexte est différent. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le COVID-19. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre ont été prises pour freiner la propagation. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Dans ces conditions, il n'était pas possible que les festivités qui marquent notre fête nationale soient maintenues en raison des rassemblements que cela implique.
Ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur que j'ai dû prendre cette décision. Mais ma préoccupation principale étant la protection de la santé de mes compatriotes, il n'y avait pas d'hésitation possible. La plupart d'entre vous ont bien compris que devant le danger sournois que représente le COVID-19, il convenait de mettre de côté les querelles politiciennes et de présenter un front commun. Certains dirigeants politiques qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale se sont exprimés dans ce sens. Je les en remercie. Nous avons eu également la satisfaction de recevoir l'aide et les encouragements de pays amis, d'organisations internationales, des dirigeants d'entreprises nationales et étrangères, ainsi que de diverses personnalités comme M. Jacques Ma de la Fondation Alibaba. Je veux ici les remercier en votre nom. Mes chers compatriotes, la première chose que je voudrais vous dire en ce jour est de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux notamment. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble, comme nous l'avons fait en de nombreuses autres circonstances. Je veux aussi que vous sachiez que le gouvernement, sous mon impulsion, fait le maximum possible pour nous sortir de cette grave crise sanitaire. Comme je l'ai dit, les mesures de protection ont d'ores et déjà été prises pour contrer la propagation du COVID-19 sur notre territoire. Malgré cela, le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte contre cette pandémie est complexe et difficile. J'invite donc chacun de vous à s'y impliquer personnellement. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. C'est une des conditions de la victoire que nous voulons tous remporter contre ce virus. J'invite particulièrement tous les responsables politiques, tous les hommes de religion, tous les leaders d'opinion, tous les responsables d'associations, tous les chefs traditionnels et tous les corps constitués à continuer à s'investir pleinement dans ce combat contre le COVID-19. Bien entendu, tout ceci dans le cadre fixé par le gouvernement et dans le respect des lois et règlements de la République. Mes chers compatriotes, sans plus attendre, je voudrais m'associer à la douleur des familles qui ont perdu leurs proches des suites de cette terrible maladie. J'adresse mes encouragements aux malades encore hospitalisés dans nos formations sanitaires et leur souhaite un prompt rétablissement. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Je tiens également à saluer l'extrême courage du corps médical camerounais et de ceux qui l'assistent. Avec les moyens qui sont les nôtres, ils font le maximum pour soigner les personnes infectées. En effet,
Il ne baisse pas les bras face à la gravité de l'infection au COVID-19. La nation, par ma voix, les en félicite et les encourage à persévérer dans cette voie. Comme vous le savez, depuis l'apparition de cette pandémie dans notre pays, à côté des mesures de protection dont j'ai déjà parlé, un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus a été mis en place. J'ai pris des dispositions pour que, dans la limite de nos moyens présents, il soit alimenté dans un premier temps à hauteur d'1 milliard de francs CFA. En fonction de l'évolution des besoins sur le terrain, des ressources nouvelles pourraient y être apportées. C'est pour moi le lieu de féliciter les concitoyens qui ont déjà versé des contributions. J'invite ceux qui le peuvent à en faire autant. La solidarité nationale l'exige. Dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui, le gouvernement s'emploiera à poursuivre la lutte contre toute instrumentalisation ou exploitation politique, économique ou sociale de cette tragédie. Mes chers compatriotes, je voudrais maintenant appeler votre attention sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Nous nous trouvons aujourd'hui en face de nouveaux défis liés à la forte baisse des places boursières, à la chute des cours des matières premières et à un fort ralentissement imprévu de nos échanges commerciaux. La pandémie du coronavirus a donc un impact négatif sur l'économie mondiale ainsi que sur la nôtre. Il nous faudra bien sûr retrouver plus tard le chemin de la croissance, tout en veillant à ce que, pendant cette période d'incertitude et de difficultés, les emplois soient préservés dans la mesure du possible. J'invite le gouvernement à continuer à se mobiliser comme il l'a fait depuis le début de cette crise sanitaire. Dans un contexte social inédit, il devra en particulier se montrer ingénieux et inventif pour maintenir nos équilibres financiers, contenir le taux d'inflation, assurer la continuité du service public, notamment dans le secteur éducatif, et réguler l'activité économique de manière à sauvegarder la stabilité et la paix sociale. Sur le plan sanitaire, malgré la progression des cas détectés positifs au coronavirus, la situation reste maîtrisable. Nous n'épargnerons donc aucun effort pour lutter. President Paul Biya was addressing the nation last evening, and that does it for this edition of the Midday News. Happy May 20 to all of you out there, and don't forget to keep safe. See you tomorrow, Nico. Très belle fête de l'unité, Emmanuela. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent.
CRTV News, ici, toute l'info.